Hey bon Dieu, il est quelle heure là? Ah oui? Il est déjà 9h? Bon, oui, il faut que je fasse vite de me préparer là. Maman. Bonjour, bienvenue au showroom. Comment puis-je vous aider? Oui, bonjour, je m'appelle Westyle et j'ai rendez-vous avec vous ce matin. Ah, vous êtes mon rendez-vous de 9h, monsieur Westyle. C'est bien cela. Savez-vous que nous avions rendez-vous à 9h? Il est 10h, il me semble. Oui, effectivement, mais j'ai eu un petit contretemps. Eh bien, donnez-vous la peine d'entrer et installez-vous donc juste devant moi. D'accord, merci beaucoup. Donc, suite à notre conversation téléphonique, il me semble que vous venez pour le poste de directeur. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Avez-vous emmené les pièces comme convenu? Oui, j'ai apporté mon CV, ma lettre de motivation. Eh bien, vos références sont parfaites, hein? Et puis, vous correspondez parfaitement au profil que j'attends. Donc, si vous voulez bien, nous allons effectuer un test dès aujourd'hui. Êtes-vous disponible? Oui, actuellement, je suis disponible. On peut commencer tout de suite. Eh bien, installez-vous à l'accueil, monsieur Style. Nous allons faire un petit essai dès aujourd'hui, si vous êtes disponible. Et puis, j'espère que si nous avons l'occasion de travailler ensemble, que vous serez ponctuel. Bien entendu, cela ne se reproduira plus. Je serai ponctuel. Très bien, installez-vous. Je vais vous expliquer le fonctionnement du showroom. Ainsi, vous pourriez déjà commencer à travailler. D'accord. Oh là là, je suis trop content de ce que j'ai acheté. Je crois que j'ai vidé mon porte-monnaie. En plus, je suis exténué. Je te dis pas, hier soir, j'ai fait la fête, c'était dingo. Il y avait tellement de beaux mecs. Je crois que je perdais la tête. Attends, Dana, tu n'as pas déjà un mec? Je t'ai déjà dit que t'es trop chaude là, faut te calmer. Écoute, il n'est jamais là et puis j'ai le droit de m'amuser quand même. Ah ouais, parce que le tromper pour toi, c'est s'amuser. Eh ben vas-y, amuse-toi, continue à t'amuser, mais je t'assure qu'un jour, tu vas te brûler les ailes. C'est bon, j'ai compris, calme-toi. Ne sois pas si rabat-joie. Il faut que tu t'amuses aussi. Lâche-toi un peu. De toute manière, ça sert à rien de parler. Tu es irrattrapable. Alors, laisse tomber. Alors, tu te dépêches là. On va s'asseoir un peu. Coucou, ma sista. Alors, comment vas-tu? Hello, toi. Ben, ça va, hein? Ben, moi, ça va tranquille, hein? Je viens aux nouvelles. Alors, dis-moi. Ben, écoute, j'ai reçu aujourd'hui quelqu'un qui s'est présenté pour le poste de directeur. Et tu ne sais pas la plus belle? Il est arrivé en retard. Non, mais t'es pas sérieuse. Il arrive en retard. Eh oui, crois-moi, il était en retard. En plus, bon, c'est un bosseur quand même. J'ai vu qu'il travaille assez bien. Il comprend les choses assez vite. Mais je te trouve un petit peu prétentieux. Oh, moi qui pensais te trouver un mari afin que tu oublies ton petit escroc. Mais du coup, je crois que là, c'est raté. Alors là, ôte-toi ça de la tête. Moi, avec ce petit imbécile, il a beau être un génie, mais excuse-moi, c'est vraiment pas mon type. Et puis arrête de dire des conneries et viens dans la cuisine, je me suis préparé quelque chose à dîner. Tu viens voir si tu veux quelque chose? Petit imbécile ou pas, j'espère quand même qu'il est craquant pour un imbécile. Bon ben, du coup, tu nous as préparé quoi? J'arrive vite fait dans la cuisine, moi. Ça sent très bon en plus. Oh, je m'assois où? Je crois que j'ai déjà faim. Je vois de belles choses sur la table. Quand est-ce que tu arrêtes de dire des bêtises? C'est juste pas possible avec toi. Je préfère au moins que tu manges. Comme ça, tu parleras moins. Allez, vas-y, assieds-toi. Portons un toast. À nous. Ah non, on porte un toast à nous et à l'amour avec ton futur mari. Mais vraiment, n'importe quoi. Tu me sors de ces choses, toi? Vraiment, t'es vraiment insociable. Bon, là, j'ai tout ce qu'il me faut. Ça te dit d'aller manger quelque chose dans un resto? On prend ma voiture, on y va? Pourquoi pas? Comme ça, tu me raconteras tout ce que tu as fait de pas catholique. Voilà, on est arrivé. Tu me connais déjà.
j'ai des goûts de luxe. Et puis ici, je fais de très belles rencontres. Ah là là, Dana, escalons-nous. Tu ne changeras jamais. Alors dis-moi, ma petite Aurora, as-tu entendu qu'il y a un club qui s'ouvre? C'est demain soir, je pense. Le Chakra Style, c'est bien ça. Ça te dit d'aller faire un tour? Mais pourquoi pas, je n'ai rien au programme. Et puis, je devais dîner avec ma sœur demain, mais finalement, elle a annulé. Donc, ouais, samedi. Dans ce cas, c'est parfait. Je passe te récupérer à 20h. Sois sexy. Bon, tu sais déjà, il y aura des beaux mecs. Ah ouais, je sais. Tu me diras, Dana, ou toi au champ. C'est exactement ça. Mais bon, en ce qui concerne être sexy, je pense que je le suis, même si je ne le suis pas autant que madame. Mais j'espère passer une excellente soirée. Donc, on fera comme ça. Allez, mangeons. Ah oui, ça c'est une excellente idée puisque je meurs de faim. Allez, appelons le serveur. Yo les potos, alors ça y est là. Ben on est là tranquille Will. Hein? Ben écoute Will, on est là tranquille. Hein? Je vais bien, merci, je vais bien. On va s'asseoir pour un verre. Alors potos, comment ça s'est passé ton entretien? Frère, je te dis même pas. Je suis arrivé en retard pour l'entretien d'embauche là. Chaud ma gueule frère. T'es sérieux Will? Alors, c'est un patron ou bien une patronne? Ah, c'est une jolie patronne. Hein. Franchement, alors là, rien à dire. Elle a tout ce qu'il faut là où il faut. Will, t'es un malade. Il faut que tu te calmes. Et les amis, il y a une grande soirée chez les Stay Chata Bing Bing. Vendredi à 19h. Ça vous dit d'aller? Pouh! Il y a une soirée là? Il faut qu'on y aille faire un tour. Ah ouais? Oui, il n'y a pas de souci. Mais je vais voir Kin là pour voir si ma voiture est prête. Eh ben Will, invite ta patronne. Bof, j'aurais bien aimé. Mais bon, tu sais, tu dates dans son collimateur là. Puis je suis arrivé en retard pour mon entretien là. Ah non, laisse tomber, je suis à ça. Bon ben, puisqu'on est là, on va trinquer, on va prendre une petite bière bien glacée. Bon alors Magic, alors les femmes avec toi, comment ça se passe? Yo mec, alors bien ou quoi? Alors ma voiture est réparée? Bon, ça fait une semaine que tu l'as là, j'ai besoin de ma voiture, tu m'as dit que je l'ai occupée aujourd'hui. Yup, bien ou quoi? Ben non, arrête de flipper frère, ta voiture sera prête dans d'ici dans 2 ou 3 heures, t'inquiète. Ouais, je te dis ça parce que bon, il y a un club qui va s'ouvrir demain si Dieu le veut là, ça s'appelle les Star Chata Bing Bing. Et j'ai besoin de pêcher 2 ou 3 meufs, donc j'aurai besoin de ma voiture au plus vite. Bah non, vas-y, ta voiture sera prête dans 2 heures, t'inquiète pas pour ça. De toute façon, j'ai ton numéro, je t'envoie un message sur WhatsApp vite fait. T'inquiète.